Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une coiffe séculaire pour un Eka Flip Feu PVP qu'on va essayer de faire en Near Perf avec une rune trans dommage distance. Pour ça, on va essayer de faire ce qu'on peut avec le Puits Invo et je pense qu'on va opter pour une strat de style terminer le FM par Crit Passo ou si ça casse l'Invoque par. Passo invoque, chose que je fais assez souvent. Bon, là on est à 10 soins donc je vais être un peu embêté. On va quand même la faire pour la forme, mais du coup en 10 soins ça risque de me bloquer. Je l'ai accepté cette tenta parce que j'avais une intel qui est pas mal. Le problème de ce genre de FM c'est que comme il y a les 100 de stats, on peut pas over l'intel pour aller chercher à chaque fois quelque chose de beau. Donc on est un peu bloqué en fait. Voilà, là typiquement j'aurais aimé faire invo passo et soit la passo elle passe, soit si elle passe pas, elle a une chance de casser l'invo et je peux remettre l'invo derrière. C'est un peu l'idée. Donc là j'ai moins 10, j'ai plus 0,1, j'ai moins 15, moins 15, pardon, il me reste donc 1 depuis. Donc là on va juste remettre l'invo, qui ne passe pas. Allez, on continue, et du coup je vais viser des tentas où je suis à 9 soins. Très belle tenta à 28 depuis, on va ravi. Ok, bon bah c'est mort. Hein. Quand on est sur depuis un invo, il suffit d'une rune qui passe pas, c'est terminé, malheureusement. Tant pis, on continue. Très belle tenta à 26 depuis. On va go pavi. Moins 6. Bon, ça va être un FM très dur à faire, hein, je vous le dis tout de suite. Moins 9. J'ai plus de puits. On a l'invoque. Bon, bah là, typiquement, il me manquait encore 12 de puits pour tout passer ce qui me manque en succès neutre. Ce qu'il faut que j'espère, c'est avoir. C'est avoir deux puits invo consécutifs qui se passent bien. Ou alors là, à la limite, petit doigt R. Et là, genre là, le crit passo par exemple. Bon, même ça, le jet était un peu pas ouf, mais ça va être compliqué. Hein. Allez, on continue. 29 de puits. Le crit. Ok, ça commence. Oh là là, c'est une belle tenta. Les dommages. J'ai moins 21, il me reste 8. On va pavi, deux fois. Pod. Ok, il me reste 2. On va faire deux tentaïnés. Qui ne crit pas. Donc là, il me faut invo et passo. On a l'invoque, les amis. Est-ce qu'on a le crit passo? C'est maintenant. Dommage, on a perdu 3 d'intel au début, mais on sait jamais. Ça passe pas. On continue. 24 depuis, les congruences sont absolument parfaites. Mais bon, il va falloir qu'on passe. Malheureusement, là, j'ai le soin qui n'a pas eu le temps de redescendre depuis la dernière tenta. Il y a peut-être un monde dans lequel on passe deux soins comme ça, en crit. Ah, c'est dommage parce que j'ai les congruences qu'il faut, mais je vais avoir un problème depuis là. En vrai, on va être joueur, je pense qu'il faut mettre un PA là-dessus. Il faut mettre un PA, casser le PA direct, et on a un full perf. Ok, ça n'a pas marché. Bon, on continue du coup. Ça peut peut-être faire un truc, j'ai la flemme de compter le puits. En vrai, on va terminer par un pado. On va y aller comme ça. Les petits crits, ouais. Super. 27 depuis là-dessus. Allez, faut passer la vita, moins 6. Je vais go page, moins 3, do, moins 5, ré, moins 2, ok. J'aurais pu tenter le crit passo. En vrai, oui, je vais faire ça, je vais tenter crit passo into so. Ah. Bon, moi j'avais bien compté le puits. Si j'avais crit passo into. Il fallait juste que je crit passo et que je succès neutre le saut. Et j'étais insane là. Hein. C'est vraiment, vraiment dommage. Ah, j'ai le seum. C'était
Ah, un crit passo, j'avais un succès neutre à passer et un repassage invoque et j'avais eu ce que je veux. C'était un jet magnifique là. Oh. En vrai, voilà, évidemment, c'est là que je l'ai. En vrai, là, si je passe un... si je crit un soin. Oh! Ok, donc là on a une vraie dinguerie. Incroyable. Je peux avoir un full perf. J'ai 22 vita. J'ai 22 puits, pardon. On va pas âge. Alors c'est pas comme ça que je le voyais dans ma tête. Du coup, j'aurais dû commencer par la Vita en ce sens. Je voulais, dans ma tête, j'allais faire pas âge, enlever le pas âge et après pavipod, et on avait le full perf. Malheureusement, on n'aura pas cette chance. On a deux tentavis. J'aurais dû commencer par la Vita, je suis trop con. Bon, il faut repasser l'invoque. Est-ce qu'on a l'invoque, les amis? Bah oui, en fait. Pourquoi j'ai pas commencé par la Vita? Je suis débile, je suis crevé là, ça fait 4 heures qu'on est en train de faire de la FM, j'étais sur le point d'aller dormir. Oh, la Vita casse tout, j'aurais dû pavipod. C'est très très triste ça. Évidemment qu'il fallait commencer par la pavie, en plus c'est pour un mode full intel. Je suis complètement con. Bon, on va quand même mettre une petite transe d'audi là-dessus, hein, c'est quand même pas trop mal. Du coup, j'ai cette sensation un petit peu mitigée qu'ont beaucoup de forges mages où tu passes une dinguerie mais t'as fait un choix sous-optimal donc t'es content mais t'as un peu le seum quand même. Bon, ça reste un jet monstrueux. J'aurais bien aimé au moins pouvoir passer une pavie, mettre une pavie pod et au moins avoir le 296 vita. Mais écoutez, c'est déjà ça. On a quand même eu. Voilà, là c'est. J'étais vraiment sur le point de cut le stream et je me suis dit, vas-y, je fais encore un puits invo. Franchement, je m'en sors pas trop mal. Allez, tac. Dommage distance là-dessus. C'est quand même solide, on va pouvoir jouer avec ça tranquillement. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Voilà, vous pouvez nous suivre en stream, sur Twitch, sur Twitter, vous avez tous les liens, etc. Prenez soin de vous. Bonne nuit, bonne soirée, tout ça, à bientôt.